Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Souhaitez-nous bienvenue dans l'émission live Retite Kembe Dlo. C'est le premier épisode que nous allons suivre aujourd'hui. C'est le premier épisode là, c'est l'importance de l'eau et la menace qu'a faite sous l'eau. Eh bien, Retite Kembe Dlo, c'est une série d'émissions que moi-même, Patrice Baptiste, a porté pour nous en collaboration avec Radio Télé Cajou. Pour qu'a fait tout le monde connaît ça qui gagne, ça qui a passé dans le domaine de l'eau et l'environnement. En Haïti ak sou planète la. Et son émission tout côté nous tous, nous pouvons mettre nous ensemble pour nous arriver à sensibiliser tout le monde qui est à côté nous tous sous domaine de l'eau et l'environnement. Maintenant, de nous pour nous arriver à partager la vie là, partager pour que l'autre monde qui peut venir capable rejoindre nous. En bas live là. Essayez de partager, s'il vous plaît. Partagez live là. Comme on dit nous, dans l'épisode ça, nous parlons de l'importance de l'eau et la menace qui gagne sous l'eau. Eh bien, qui ça pourrait faire objet émission ça? Qui ce qui ça nous parle chita parler dans l'émission ça? Dans l'émission ça, moi pas loin avec une série de questions que une série de monde qu'on a posé et que question ça yo nous pas laisser débattre ensemble dans l'émission ça qui est Retite Kembe Dlo. Eh bien, on commence à question ça. Quel monde qu'on a dit qui côté que nous cajoune l'eau? Qui phénomène qui baille la pli? Combien qualité de l'eau qui gagne? Qui ça fait de l'eau qui a venu dans le robinet la caïmouin? Et qui ça fait de l'eau pas qui a venu tout? Parce que des gens qui baille de l'eau la caïmouin. Qui parcours de l'eau a fait? Qui côté le sorti et côté le rivé la caïmouin? Côté le sorti, côté le passé. Ça fait sous l'eau, toujours à vin sèche. Qui confiance nous a fait de l'eau? Est-ce que nous avons privé de l'eau dans le robinet la caille? Nous avons changé longtemps moi-même, c'est dans le robinet la caille, même de compte de l'eau. Est-ce que l'eau a traité avant que l'arrivée la caille? Et qui qualité traitement yo fait dans l'eau? C'est autant de questions comme ça moi ouais on a posé moi-même moi là pour me répondre parce que je voulais toujours partager avec nous même je demande de nous partager live là pour l'autre qui vient t'entendre s'il vous plaît partager live là. Eh bien des questions toujours demander qui maladie par exemple que nous capable attraper dans l'eau. Par exemple l'eau qui pas traitée bien entendu. Et des monde qui demande tout dans qui nous capable bien. Qui importance de l'eau gagne sur la planète là? Qui maladie tout le monde attrapé dans l'eau? Il y en a bien. Pour qui ça, il dit de l'eau, c'est la vie. Il y a aussi des organisations qui mettent ensemble. Qui est-ce? Qui ça y est? Qui organisation ça y est qui mettent ensemble pour mettre de l'eau à Jarret? Est-ce que il y a une loi sur de l'eau? Comment nous ka augmenter les réserves de l'eau nous? Pour qui ça, il y a une journée mondiale de l'eau. Qui importance de l'eau gagne une journée interaméricaine de l'eau gagne? Pour qui ça, nous avons une journée mondiale de l'eau? Qui ça, environnement, vle dit?
qui importance yon bon environnement genyen nan la vi moun. Question sa yon important pile. Et lò gade, si moun piti a pose question sa, ça veut dire que formation ça, éducation ça, faut faire à la base parce que pas qu'on est vraiment. Moi tout pour n'importe quel âge, les regarder tranche d'âge là, quel que soit ni grand monde ni petit monde, question ça yo vraiment frappé yo et ça fait à chercher qu'on est. Qui ça qui cause inondation? Pour qui ça les la pluie tomber? Nous jeune en pile la boue ak fatra dans la ria. Pour qui ça yo pa met fatra dans poubelle? Pour qui ça yo pa bay moun yo poubelle pou yo mette fatra? Comment nous ka contrôler inondation? Qui ça nous doit faire pour tenir en monde pas descendre la ville encore? Une belle question, ça. Qui ça nous doit faire pour tenir en monde pas descendre la ville encore? Qui ça yon bassin versant yé? Comment nous ka aménager yon bassin versant? Qui importance bois genyen dans l'environnement pays a? Qui importance de l'eau gagne pour la terre? Qui relation qui gagne entre l'eau et le bois? Qui sacre les photosynthèse? Pour qui ça? Les yo coupe un pied bois et pas planter un l'autre. Pour qui ça? Nous pas ouais belles petits oiseaux yo encore. Des petits papillons la Saint-Jean yo. Pour qui ça rivière nou yo pa gagné en pile bel petit poisson encore? Pour qui ça tout fruit dans la mer yo a fin disparaître, poisson, lambi et la trier? Pour qui ça gagné une journée mondiale la mer? Oui, alors, pile question toujours. Mais qui ça mangouvier? C'est question ça à poser toujours. Ça, qui ça mangouv? Mangouv là, ça mangouv là. Mangouv là, ça nous les mangliers. Qui importance mangouv là dans l'environnement? Qui ça changement climatique? Qui ça crée les microclimats? Qui ça qui ont écosystème? Qui ça écologie vle di et qui importance pour écologie gagner dans environnement? M'a kante là pour question parce que en pile question toujours qu'on ka poser nous même si nous gagne question écrit en bas live là pour qu'on arrive traiter ensemble parce que son université libre li la net al net nous pas gagne nous commencer kounya pas pour qu'on apprendre parce que li là pour former pour éduquer pour sensibiliser mais avant commencer pour répondre à question ça yo même mais t'as aimé poser nous une petite question tout. Parce que nous croyons que nous aimons l'environnement, nous aimons le pays. Question ça, mais t'as aimé poser nous. T'as dit nous, qui comportement nous devons gagner nous-mêmes si nous aimons le pays, nous, comportement nous gagnons à l'environnement du pays. Cette question ça, va le débattre sur nous-mêmes pour arriver mettez dans plate nous tout ça que nous pral débattre là. Eh bien, si nous remet d'avle gagner un petit lumière sur ça, Vinchita, chaque jeudi, c'était à pan en bas live, retete kembe de l'eau. Eh bien, m'a parlé avec nous là, des gens qui connaissent, des gens qui pas connaissent. Qui m'a dit qui est ça qui parle là? Qui est ce lié? Eh bien, c'est bien malheureux, c'est moi qui pour présenter. Si c'est comme vous dites qu'à présenter, mais t'as bien bon. En tout cas, qui est ce moi lié? Mon cher, moi c'est un ingénieur civil, un ingénieur sanitaire, un maîtrise d'enseignement sanitaire.
qui toujours partager expérience li et qui t'a aimé toujours partager expérience à tout le monde quel que soit côté lié le fait li que ce soit dans travail moi administration publique administration privée et dans l'université côté ma travail côté ma pensée ti moun eh bien moi-même moi censé publier un pile ouvrage sous domaine ça à tout hydrologie, eau potable, traitement de l'eau, que étudiants connaissent. Moun ta vle connaît ça. Peut-être plus tard, n'a qu'à faire connaissance à ouvrage ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on donne des étudiants après les à même mettre de l'eau. Elle dit mettre de l'eau, excusez-moi, c'est pas, on ne connaît pas la source. Il dit que ah, de l'eau ça a gagné mettre. C'est pas mettre de l'eau ça, non, c'est parce que c'est professeur de l'eau, il aurait les mettre de l'eau. Donc, mais c'est professeur de l'eau, il est maître de l'eau, professeur Baptiste, professeur de l'eau. Et dans le ministère de l'Environnement, côté de travail, depuis où il dit, méritez-vous. Donc, c'est sinon ça, ok, au moins, si nous voulons qu'il y ait un carré de fonds, ça n'a pas de problème. C'est dans le domaine de l'eau, depuis où il est méritez-vous, répondre à qu'il y ait de l'eau. Mais c'est professeur de l'eau, tout ça qui est dans de l'eau, partagez-le avec nous. Mais actuellement, comme on a parlé de moi toujours, moi c'est censé faire partie du Collège national des ingénieurs haïtiens, que le CNIH. Côté moi, c'est censé être ancien président. J'ai toujours été membre du Collège. Ça. Moi, c'est censé tout membre de l'association génie sanitaire et environnement. Côté que moi, j'étais président et je me tourne président encore, ça c'est président à l'association. Ça. Et association ça c'est petite association interaméricaine génie sanitaire et environnement qui est AIDIS parce que AIDIS son filiale son chapitre que il la donne et association ça il regroupe tout pays en Amérique là avec les Caraïbes là et il gagne 4 régions la donne 4 régions ça après que Haïti fait partie de région 1 première région Koto Kajwen et trois pays d'Amérique là comme Canada, États-Unis et Mexique. Et d'après Caraïbes là d'après et Haïti, République Dominicaine, Porto Rico à Cuba. Et puis n'a remarqué tout le petit antillo qui parlait anglais yo et ça nous carré CWWA, c'est Caribbean Water and Wastewater Association. Yo même qui sont que tout petit ilio qui parlait anglais d'après pour Jamaïque. Trinidad et Tobago, Bahamas et la Trier. Donc, AIDIS sorti dans AIDIS. Donc, l'autre, il y a un pile congrès qui fait chaque 2 ans. Chaque 2 ans, il y a un congrès qui fait dans chaque pays. Il y a choisi un pays pour faire congrès. Yo. Mais il y a un congrès régional, que monde qui est dans la région, par exemple, fait congrès régional chaque année. Il y a un congrès national tout qui fait. Mais qui mission AIDIS lui-même? AIDIS qui est pour mission dans toute activité que l'a mené pour améliorer l'environnement pays à région. Parce que ça passe dans le pays qui a affecté la région. Ça fait un pays doit prendre en considération tout environnement qui entoure le lieu. Eh bien, dans l'émission live ça, nous parlons un jour d'hier là. Nous parlons traiter de l'eau, comme on dit tout à l'heure là, de l'eau qui c'est un bien commun, mais li marié à l'environnement. C'est des activités qui m'a connu une clôture. Eh bien, partagez live là, et ça me dit nous pour que l'autre soit capable et information ça à tout partager live là émission ça m'a manqué dit nous qui est-ce qui patronel parce que qui ça fait possible que m'a parlé avec nous là aujourd'hui émission ça est possible c'est grâce à radio télé cajou qui a retransmettre émission ça à tout et pour nous capter radio cajou c'est www.cajou.com et nous capter les cajou c'est www.lescajou.com
possible tout grâce à la même création. À la même création, c'est une carrière à la même création, c'est 954-655-3602. Je vais prendre, c'est 954-635-3602. Qui ça à la même création? À la même création, c'est lui-même. Bon, tout si l'a regardé et flyers là que nous gagnons hérité de Kembedo, c'est à la même création qui fait lui. Et à la même création, la, tout le monde qui gagne activité que l'a mené, tel que il y a un gros événement, fête, que ce soit baptême, mariage, et première communion, tout type d'événement qu'on a fait, et bien contacter à la même création, là-bas, au Belsicat, et là, en considération, même réception, pour tableau, pour écrire tout ça, tout carte vous mettez sous table, et même sous gâteau, il y a un top qu'elle fait, qui gagne dans le groupe, ça t'a aimé gagner sous gâteau, il fait un top kick pour vous. Donc ça, c'est à la main création. L'autre patron que nous gagnons encore, c'est Drafters. Drafters, c'est un groupe architecte. Un groupe architecte qui mettait tout ensemble, qui a arrivé à aider tout le monde qui t'a aimé modeler, refaire caillou. Refaire caillou, il y a un gars qui a aimé Jean Kaila, il a réaménagé Kaila pour nous. Ok, à l'intérieur, capable de changer. Côté nous gagnons une belle salle qui va permettre nous étendre nous et prendre la été comme nous, recevoir un pile de monde dans Kaila. La projet Kaila pour nous, si vous êtes avec Drafters, numéro de téléphone, c'est 954-324-1632. Je vais répondre pour nous, 954-324-1632. Nous avons l'autre patron encore, c'est ADIGE, Association Génie Sanitaire et Environnement, qui regroupe Génie Sanitaire. Yo. Tout le monde qui travaille dans le domaine environnement, sanitaire, hygiène, etc. Même les médecins tout, qui regroupe l'association ça, on ça, bon nom là-dedans, qui est dans le domaine ça. Donc, ils regroupent et ils arrivent, font formation, font des congrès, ils mènent nous dans le congrès régional, le congrès international, tout le monde. Et fait formation pour vous. Donc, si vous contactez ADIGE, ma bonne email adresse ADIGE, c'est adiaidishaiti@gmail.com. Eh bien, on a apprendre à vous là. En attendant, vous pouvez me partir avec l'épisode là qui dit importance de l'eau à menace qui vient sous lit. Donc, en tout cas, un pile monde qui est en rejoindre nous là, on a commencé quand même, un pile monde qui est en rejoindre nous. Eh bien, dans le premier épisode là, nous allons parler d'un bien commun. Un bien qui pour nous tous, ça nous relie de l'eau. L'eau qui est important en pile dans la vie nous. Et l'eau vient tourner yon trésor qui gagne pile valet et que nous devons préserver. Si nous ne préservons pas de loi, nous arrivons, on ne peut pas gagner. Ok? Donc, faut nous arriver à préserver de loi pour que votre génération soit capable de venir. Nous sommes directeurs de la à l'époque, nous avons une émission et publicité qui dit: suspend gaspiller de loi pour toute sa capacité, pas de conjoint, qu'à fond joint. Quel monde qui pas connaît et pas que ça. Mais, tu gagnes vraiment sensibilisation, tu qu'on fait sous affaire de l'eau, que qu'on y a, y'a pas fait encore. Donc, nous croyons que faut nous arriver la donne. Eh bien, faut que tout le monde connaît que je ne j'ai dit, y'a un pile menace. Un pile menace. Qu'a fait sous l'eau. Ok? Donc, même tout, m'a songé, il est mon directeur général SNEP. Moi, t'es qu'on fait tout, sensibilisation, t'es qu'on fait et on émission tout, qui était capable que tout le monde capable d'arriver et sensibiliser. Mais, il y a un bail qui a appelé mon pile, bon, c'était un documentaire sous l'eau. Que nous avons réalisé avec bon, notre regretté mémoire, mon ami là, et Bob Lemoine.
Je suis arrivé à monter un documentaire qui était l'or liquide. Eh bien, documentaire ça, que Bob Lemoine a réalisé dans Claire Image, qui est pourtant plus fouillé, il a commencé à sensibiliser tout le monde dans le domaine ça. OK, donc il était l'or liquide. L'aime parler de service national d'eau potable, il y a un peu de monde qui par contre s'allier. Eh bien, service national d'eau potable, les sorties dans service hydraulique. Parce qu'avant, SNEP avec CAMEP, avant dîner, pas que nous, la journée aujourd'hui, c'est bien ça qui est service hydraulique. Et mes services hydrauliques, là, ils viennent d'abord CAMEP, qui c'est Centrale Autonome Métropolitaine d'eau potable, qui lui-même occupé de Port-au-Prince. Et service national d'eau potable, lui-même, qui vient fait après, vient occuper les de villes provinciales. Maintenant, il y a une troisième entité qui vient paraître, qui est les Pochep. Parce que côté, ce n'est pas qu'arrivé, c'est Pochep qui est censé poste communautaire d'hygiène et d'eau potable que le ministère de la Santé publique est venu mettre sous pied. Eh bien, là, nous, on dîner pas. Dîner pas, il est sorti après réforme qui fait sous de loi. Côté que SNEP, CAMEP avec Pochep, vient faire, vient tourner, ça aurait les dîner pas, les mêmes qu'on dit plus. Parce que dîner pas lui-même, non seulement l'occuper de l'affaire de l'eau, mais qu'on y a là, il vient occuper de assainissement. Ce que tu as l'air là, que assainissement, il marchait à l'eau. Eh bien, pas qu'à gagner de l'eau sans assainissement. Parce que quel que soit le pays dans le monde là, entité qui baille de l'eau, c'est lui-même qui ramasse de l'eau. Parce que si on utilise de l'eau, on rejette. Et rejette ça, c'est de l'eau usée. Et de l'eau usée, ça, on ne va pas quitter le coulé. Donc, ça, on va contaminer, on va détruire l'environnement, tout ça. Donc, entité ça, elle doit collecter de l'eau et que l'eau arrive traiter de l'eau usée, ça, avant que le déverser dans le milieu récepteur. Eh bien, et pour information, nous m'a fait nous connaître que Haïti, c'est le seul pays d'Amérique là qui n'a pas gagné un système de collecte et de traitement des eaux usées domestiques et industrielles. Ok, nous avons parlé de Caracol comme un système de traitement des eaux usées quand même. Mais, non ville, nous n'avons pas gagné en station. Un système de collecte et de traitement des eaux usées. Donc, nous devons arriver là, mais dis-nous pas qu'on y a les mêmes, ça l'a fait là, donc il faut qu'on arrive là dans tout, mais l'arrivée l'a traité excrétaire, c'est-à-dire matière fécale, que vous prenez après que vous coupotez, ou bien dans la fosse septique, vous gagnez l'autre institution, bah, non, mais non, parce que je ne fais pas publicité pour eux. Donc, calé, que vous prenez, vous transportez, vous amenez, non. Côté traitement, côté dîner pas, à fait traitement matière fécale. Eh bien, d'entrer dans l'émission, comme tu as parlé de l'importance de gagner, une menace qu'a fait sous l'eau, eh bien, qui menace? Qui gagnait café sous l'eau, je ne le dis pas. Première menace là, nous relève le réchauffement climatique qui est capable de créer un pile problème, un coup sécheresse. Côté toute souci capable d'une sèche. Donc, on t'a dit, on parlait de sous ce qui est arrivé. Eh bien, ça arrivait, c'est que l'eau, quantité d'eau que nous avons gagné, nous n'avons pas gagné encore. Qui ça fait ça, nous allons ça plus loin. Qui ça fait ça? Donc, changement climatique, ça fait ça. Donc, réchauffement climatique, là, permet que la quantité de l'eau vienne diminuer. Eh bien, les nappes gardées, changement climatique, qui m'a connu avec mauvaise gestion de l'eau, augmentation de population, ça vient fait que l'eau pour la guerre, pour ne pas une population vient diminuer. Parce que la population augmente, il y a une sécheresse, au lieu de l'eau augmenter, c'est diminuer, la diminuer. Nous avons un exemple qui est très simple. On prend un foyer,
On prend par exemple, il y a un monde qui fait marier. Non fait marier, il est entré la caille. Donc, c'est lui-même à madame, ni monsieur et dame, qui vivent dans le foyer. Si nous regardons, nous dit, qui quantité de l'eau, par exemple, il y a un bouet qui a utilisé par jour. Nous dit, chaque qui a utilisé, et au moins, il y a un gallon de l'eau, pour deux, ou bien un gallon de l'eau, pour chaque. Chaque monde a un gallon. Si on que chaque monde a un gallon. Et puis, il y a arrivé Fontimoun. Est-ce que le gallon d'eau dans le a suffi? Il y a l'autre bouche. Et Timoun, il faut le boire de l'eau. Il n'y a pas bien que Timoun, il a besoin plus d'eau toujours. C'est deux semaines depuis ça. Et puis ça boit, pas bien. Donc, il est arrivé, il faut le deuxième. Le gallon d'eau n'a pas suffi. C'est une bouche qui a augmenté. Donc, il est arrivé dans le Kaila, nous gagnons 10 moun dans le Kaila. Est-ce que deux gallons d'eau, ça suffit? Non. Au lieu de deux gallons qui étaient pour deux mouns, nous avons 10 mouns, nous avons 10 gallons d'eau. Donc, pour gagner 10 gallons d'eau, c'est quoi? Pour gagner pour acheter. Et pour gagner 10 gallons d'eau, ça, est-ce que de l'eau privée, ça va passer la caille? Non, ville, mais non, quartier, qui a gagné 1000 cailles, ou pour non, ville, qui a plus 10 000 cailles, etc., etc. Ça veut dire que une ville qui a augmenté avec. En pile, on a augmenté comme ça. Et même quand c'est de l'eau, on a gagné, c'est la baille. Donc, après que, qui a raté dans la baille d'eau, après, nous n'avons pas gagné de l'eau. Donc, ce qui est important, il faut que gestion bien faite. Il faut que nous arrivions à gérer, ça crée le changement climatique là. Gérer de l'eau bien et gérer la population. Tout. Deuxième menace qu'a fait sous de l'eau. Mais deuxième menace là, c'est qui ça? C'est la contamination, ça a la pollution. Mais qui ça? Qui est-ce qui fait pollution? C'est nous-mêmes encore des hommes. C'est nous-mêmes, non? Jean nous agit. Eh bien, nous te compte boire de l'eau dans le robinet, nous pas boire de l'eau dans le robinet encore. Donc, n'achetez de l'eau, tu sachez de l'eau. Donc, c'est plastique. N'achetez six bidons de l'eau. N'achetez gros bidons de l'eau. Then, fini ça qui passe, on la gueule. On la gueule, côté aller, y aller, dans la mer, dans la rivière, y a contaminé tout sous nous. Et non seulement contaminé sous nous, l'arrivée a détruit l'environnement. La privée que nous allons louer, même poisson, yo, a besoin de plastique là, y a mangé, a mouru. Ou bien, c'est pas qu'on mourit. Nous-mêmes, nous autres mangeons l'autre. Et plastique, ça a vu l'entrée dans la chaîne alimentaire. Et lui, il veut jouer nous encore nous-mêmes. Nous voulons manger plastique. Ça va passer. Nous allons augmenter le nombre de cancers, tout type de cancers qui gagnent, dans manger plastique. Donc, nous-mêmes, nous avons détruit ça. Nous avons fait un bagaille pour plastique, ça. Et pas oublier, plastique, à qui ça le fait? Si nous regardons les plastiques, ce sont des produits qui dérivent de pétrole. Ça, le pétrole, il fait. Donc, si vous avez un pétrole là, ou fait plastique là, allons une usine pétrochimique ou fait lui, eh bien, inverse la capable vrai tout. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Ou cap arriver, faire plastique ça, tourner gazoil. C'est une possibilité qui gagne. C'est pour les jeunes. Ka konnen ke gen an pile possibilité yo ka arrive yo même a monter ti usine pa yo arrive a créer sa rele gazoil. Ça fait me songer vraiment mon ami, mon jeune, mon ami d'enfance de regretter mémoire, Original Noël Gino qui dans domaine ça. Donc dans 2021, début 2021, au mois de mars cap vini pour faire un an depuis que monsieur est allé. C'est vraiment regrettant. On a perdu un peu de monde dans le domaine. Non? Bien, c'est une opportunité qui est ouverte pour les jeunes. Mettez-nous ensemble, cherchez financement, et nous avons en pile activité pour nous faire dans Fatra. Eh bien, ce n'est pas seulement gazoil, non, qu'on fait avec plastique là. Gagner ça aurait les pavés et ça nous les adoquins par exemple.
au lieu que n'acheter à l'eau, nous prenons un plastique là, nous mettons du fond, nous faisons une masse, nous mélangeons avec sable. Et puis nous passons le monde, forme nous voulons gagner, nous arrivons à faire un pavé avec. Tout ça, c'est tête ensemble. Nous, ça que nous pas voulu faire dans le pays d'Haïti, c'est tête ensemble. Arriver, mettez tête nous ensemble, créer ti entreprise ça yo, et nous créer, nous arriver faire quartier nous propre. Et puis tout, et nous travaillons toujours, nous arrivons faire même. Bon, il y a une activité qui mène avec plastique là, qui sont censés changer yo. Donc, nous avons fait un pile de bagages avec plastique. Donc, qui ça nous a parlé encore comme menace? Troisième menace. Troisième menace là, c'est produits chimiques qui ont plagué comme ça dans l'environnement. Par exemple, dans l'agriculture, nous avons pesticides. Un pile de pesticides que nous prenons pour nous pétiller tout type bête qui a attaqué les plantes. Mais là, nous avons des pesticides dans l'eau, ça a passé. Eh bien, pesticide ça d'où la pi après ou le mener aller dans l'école les mener non mais les mener non on va retrouver pesticide ça yo dans l'eau dans source que dans source là s'il sorti dans tête mon nan là tomber dans source là nous retrouver pesticide là dans l'eau que nous prend pour nous boire tout ça faut être capable éviter utiliser produits chimiques trop ça cap bien entendu si yo nan notre loi ou détecter, il y a quand même possibilité pour traiter de loi. Mais ça a demandé un petit comme tout. Eh bien, c'est toute menace ça, nous est capable sous de l'eau, que nous partageons avec nous pour nous connaître que de l'eau est tellement important pour nous arriver à préserver les ressources qui sont communes à nous toutes, que nous avons tous besoin. Mais c'est en ce sens ça que nous voyons que gros pays, comme tu as dit, qui mettent tête ensemble pour bailler de l'eau à jarret. Donc, ils arrivent à mettre sous pied ça, les Journée mondiale de l'eau. Et c'est Journée mondiale de l'eau, ça, que nous voyons que chaque 22 mars, nous fêtons Journée mondiale de l'eau. Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, gagner en pile menace qu'a fait sous l'eau. Nous avons trois menaces. Premièrement, nous dit réchauffement climatique. Deuxièmement, nous dit pollution, surtout avec plastique. Et troisièmement, nous dit produits chimiques, tant que pesticides. Mettez-nous ensemble pour nous arriver à éviter les problèmes. Pour nous couper les menaces, pour nous arriver à préserver l'équipe. Eh bien, pas oublier, émission ça, il était possible, c'est grâce à la mécréation, à la mécréation, comme on dit nous, qui fait, si fayez nous qui permet nous, en bas la vlajou diya, vous de l'eau, nous gagnons tout petit bagage que nous avons fait, tout événement, nous avons fait 4 pour nous, pour invitation, que ce soit mariage, que ce soit première communion, baptême, etc. À la création, téléphone, il m'a répondu pour nous. C'est 954 655 3602. Après ça, nous avons Drafters. Drafters, c'est lui qui va remodeler Kaila pour nous. Pas oublier. Si nous avons Kaila, nous n'avons pas remis, j'en ai dans Kaila, nous devons changer. N'importe quel changement nous devons faire dans Kaila, contactez Drafters. Donc, Drafters, comme on dit nous, c'est un groupe architecte qui mettent ensemble pour arriver à faire changement que nous voulons dans le nous. Je vais rappeler le numéro de téléphone, non, pas côté là, le numéro de téléphone Grafters. De toute façon, je vais rappeler le prochaine fois, le numéro de téléphone Grafters. Radio Télé Cajou, c'est lui-même qui permet de nous faire émission ça et qui a continué à passer émission ça sous Télé Cajou. Télécajou.com. Et Ablié Adish, association génie sanitaire, science environnement qui fait qui regrouper tout ingénieur sanitaire et qui fait formation et tout, qui est censé arriver et mener nous dans tout congrès
et même journée mondiale qu'a fait ou journée interaméricaine d'eau qu'a fait dans l'autre pays. D'après nous, mon téléphone Gartreza qui paraît être dans tête main qu'on y a là, c'est 954-324-1632. OK? Gartreza, c'est 954-324-1632. Pas oublié, Gartreza. Et puis, à la création lui-même, c'est 954-655-3602. Moi, de nous partager la vie là, nous allons arriver dans la fin émission. Fin émission ça. Eh bien, si nous gagnons quelque chose pas oublier en bas live là, écris-le puis partage-le pour que dans l'autre émission, dans l'autre épisode là, nous pouvons venir avec toute réponse que nous avons gagné dans l'émission ça. M'a dit tout le monde qui était en bas live là, merci en pile pour effort ça que nous l'avons aujourd'hui à qui première émission, premier épisode, mettez tes cabines de l'eau. Eh bien, on dit nous merci en pile et puis rendez-vous jeudi prochain, c'était avant, pour nous capables de mettre bien ensemble dans le RTT Kembe de l'eau. À bientôt. Enjoy!